société ONG harino do. Il y avait une société ONG ici. Cœur des hommes n'a pas d'un menton, n'y a mette. C'est terre des hommes qui nous a porté à manger. Kanyum maye, beyagadi. Et d'autres aussi. Société là, ONG. Dans l'ONG là. J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom. Yaye n'a pas d'un enveloppe, j'ai fait un document, yaye kasoudou. Berno beyo, banilambi, yambe mobe, 300 000 filles colons. Donc, ils envoyaient des enveloppes. Quand je suis venu à la maison, ils avaient apporté des enveloppes pour chacun de mes enfants, 300 000. Donc, ben donc, on a mes finances. Après, opposition on a dit, il m'a yalti kalaptane. Opposition on a yahé no kasoudou sono, kambe de fok matbe, passe, yahé no kala, ben abana même enveloppe. Bon, quand nous sommes, c'est ce eux-là, quand nous sommes sortis à la maison aussi, les opposants, quand même, globalement, et je suis passé là-bas, ils faisaient des gestes. Monsieur Diallo, selon vous, qu'est-ce qui pouvait expliquer ces agissements des militaires au stade du 28 septembre et les alentours? C'est un lundi que on a quand on voit les sabots militaires, ben on voit des gosses qu'on voit des massifs du coup, ben voit des quoi. Non, ben donc ben voit des ridons. Arrive de faire là nos cramponnades de pouvoir à la gauche au volant. Donc ceux-là, s'ils ont fait ça, c'était pour se cramponner au pouvoir pour ne pas que quelqu'un dit quelque chose ici. Bon, pour terminer, Monsieur Diallo, qu'est-ce que vous aviez constaté ce jour de vraiment qui puisse expliquer la violence qui a caractérisé les agissements des militaires à part le viol et les violences dont vous avez subi. Qu'est-ce que vous avez vu de voilà qui puisse caractériser cette violence? Beni sorry ben wada konko be wadi dum fu ah men ko mi don sorry ben arai be fala to wadde dum bay be ari hibe jogi ladde. Donc moi ce que j'ai vu les militaires, c'est ils ont voulu le faire seulement parce qu'ils sont venus, ils avaient des couteaux, ils avaient des fusils, des fusils, ils avaient des matraques armes jodi fop hibe jogi, toutes sortes d'armes, be jogi gaz lacrymogène, ils ont des gaz lacrymogène aussi. Ils sont préparés pour venir. Ça, ils se sont préparés pour venir. Merci, M. Diallo, tout en ma compassion. Merci. Merci, M. le Président. Honorables assesseurs, M. Omar Diallo. Ah. Vous dites que à cette époque-là, vous étiez à Amdalaï. On tout mako Amdalaï wonnoda ariko Amdalaï oui Amdalaï concasseur Amdalaï concasseur Amdalaï concasseur. Et lorsque vous étiez sorti pour venir au stade, quelle était l'atmosphère du quartier? Bayo yalti fo kido don ka stade quartier onno quartier wonirno har quartier fo yalti, tout le quartier était sorti. Ko lutara ka suudu ko bibbe ben kanyum ma e sonna be, c'est les enfants seulement et les femmes qui restaient à la maison. Est-ce qu'il y avait des militaires dans les quartiers? Non, bimbi don haribe ala ton ko ko gerew wadi kay stade. Be yey non be nati en der quartier. Le matin, ils n'y étaient pas. C'est lorsqu'il y a eu bagarre au stade, ils sont revenus rentrer maintenant dans les quartiers. Bien. Et vous dans votre groupe, vous étiez combien à aller au stade? Un groupe mon coin jolo yauno ka stade ono. Donc, on doit avoir là on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. La route était pleine. Vous étiez nombreux. Nombreux. Vous aviez été la seule victime ou bien beaucoup d'autres avaient été victimes comme vous? Quand on tourne, on dit que les victimes sont les victimes. Non, vous êtes les victimes, mais ta famille en commun tout. Beaucoup, oui, mais dans ma famille, je suis le seul. D'accord. Et vous dites que il y avait toutes sortes d'armes. Et nos façons de armes, ils ont voulu faire nos vols. Vous pouvez nous citer ces sortes d'armes-là, les types d'armes que vous avez vues ces jours? Ils ont façon de non aider armes qu'ils ont déjà. Miri belade. Je les ai vus avec des couteaux. Miri bepinka. Oui, allons-y doucement. Couteaux, oui. Les armes, les fusils. Ah, miri bepinka. Miri be matraque. Les matraques. Miri be gaz. Avec les gaz. Ah, tout ça là, j'ai vu ça. Il y avait des flèches. Aussi une dague harino wodi.
Même s'il y avait des flèches, moi, je n'en ai pas vu. Il y avait des machettes. Oui, il y avait des machettes. Oui, il y en avait. Bien. Et vous étiez venu à la Bellevue, n'est-ce pas? Narno Bellevue, non. C'est là où vous avez utilisé les voies secondaires pour rallier Amdala et Concasseur. Au retour, on est venu jusqu'à au côté de case Bellevue. C'est là, à côté de la case Bellevue, on mais, était venu. Mais n'est pas le carrefour Bellevue. On n'était pas arrivé au carrefour Bellevue. Donc, parce qu'il n'y avait pas de route. Vous n'étiez pas arrivé vers le commissariat central. On n'était pas arrivé vers le commissariat. Non, on n'était pas arrivé là-bas. D'accord. Et également, les militaires étaient nombreux lorsque vous reveniez. Ils étaient nombreux dans la rue. Ils étaient nombreux. D'autres venaient devant comme ça, d'autres venaient derrière. Les gens couraient pour rentrer dans les quartiers. Parce que si on t'arrive, ils vont tirer sur toi. D'accord. Et au stade, vous avez vu beaucoup de corps. Ça donne une fourrée du bruit. Oui, mais il bruit. Mais voilà, ma hore est gauche. Et j'ai vu beaucoup. On m'a fait coucher sur d'autres. Beaucoup de blessés. Beaucoup. Et c'est l'unique femme que vous avez vue nue. On des bogoto, il nous donne. Des bogoto, mais des bordes. Mais quand on va y taille, hakile den alajin, on kungoto, on te dit pas la. Donc c'est l'unique femme que j'ai vue qu'on avait déshabillée, parce que mon esprit c'était comment se sauver en ce moment. Est-ce que parmi les disparus, vos proches faisaient partie? Il n'y a pas un parent dans ça, mais si moi je me suis pas levé, si je n'étais pas levé, c'est moi qui pouvais être parmi les disparus là. D'accord. Est-ce que les leaders avaient été agressés en votre présence? Non. Merci, monsieur le président. Merci, le parquet a terminé. La défense. Monsieur Diallo, est-ce que vous savez que vous avez été entendu par les juges d'instruction précisément le 16 juin 2010 juge d'instruction, le lendemain, il y a le 16 juin. Ça peut dire au juin. Oui, je sais. C'était en présence d'un interprète. Ou c'était qu'au temps de faire une ohala. Interprète. Ah, donc on a des interprètes. Donc on a eu. Non. On a parlé ensemble. Là, il n'y avait pas d'interprète. Pourquoi vous avez demandé. Vous vous êtes exprimé en français devant les juges d'instruction. Pourquoi le français ou non, donc ils sont bétonnés. Oui. Pourquoi vous ne vous êtes pas passé des services d'un interprète ici? On vient nous dire de l'ando donc interprète, il va le ton awa. Quoi? Oh, dire de fion donc l'ando non qui nantino. Ah, taï nantino alado. Il y avait pas d'interprète là-bas. Mais débrouillé. On s'est, je me suis débrouillé, il y avait pas d'interprète. Pourquoi vous n'avez pas demandé là-bas? On vient nous dire l'ando donc interprète. C'est carré nouveau. Je ne pensais pas qu'il y avait l'interprète là-bas. Mais vous savez, ce que vous avez dit là-bas concernant le colonel Tcheboro Moussa Tcheboro Camara, vous ne l'avez pas dit ici. Pourquoi ce changement? Et en ce moment-là, on ne pouvait pas parler de Tcheboro en ce moment-là. Donc, ils étaient dans notre quartier là-bas, comme des abeilles. Voilà, on n'osait pas parler de Tcheboro en ce moment. Hein. Mais vous étiez devant les juges d'instruction. Vous êtes encore devant un tribunal comme ça. C'est la même chose. Il y a ce juge d'instruction. Devant le tribunal, oui. Mais quand on rentre à la maison, ce n'est pas le tribunal qui va nous surveiller là-bas. Hein. Mais après ici, vous allez rentrer à la maison aussi.
Donc, oui, c'est vrai, on va aller à l'avant. Ce n'est pas la même chose. Hein. Cette chevrerie-là, ce gouvernement-là, c'est passé maintenant. Monsieur Diallo, pourquoi vous n'êtes pas resté fidèle à votre PV? C'est ce que j'ai réitéré ici. Vous n'avez pas réitéré parce que dans votre PV, nulle part, il n'est indiqué que le colonel a dit que si vous entrez à l'intérieur du stade, vous allez le regretter. C'est ici que vous l'avez dit. Oui, c'est vrai. Mais je vous ai dit pourquoi je ne l'ai pas dit. Mais le nom de colonel Moussa Tcheboro Camara ne figure même pas dans votre PV. Oui, c'est vrai. Mais c'est dans beaucoup de PV. D'autres PV. Oui, mais c'est dans beaucoup de PV avec plusieurs versions. C'est ce qui est étonnant. Non, les versions ne sont pas différentes. Voilà. Je vous dis, en ce moment-là, je vous dis, quelqu'un ne pouvait pas parler de Tcheboro. Chacun se sauve dans la vie là. Si vous savez que quelqu'un peut vous massacrer, peut vous faire du mal, vous ne pouvez pas dire son nom. Comme vous parlez de versions, vous savez que Madame Ami Diop a été entendue ici à l'audience du 20 février 2023. Elle a été très claire. Hein? Le colonel est venu sensibiliser. Et vous, vous dites que le colonel a dit que si vous entrez, vous allez le regretter avec les leaders. Ami Diop landama do ondongo wolnogo wo ko colonel on ko arno ko sensibilise gol anga inni colonel on inni so nati onong leader mo mumbe ngon insay on andi do Ami Diop. Je vous dis, vous comprenez ici Ami Diop ko kanko andi ko wodi. Ce qu'elle a dit là, c'est elle qui sait ce qu'elle a dit. Moi, je m'appelle Oumar Diallo. Voilà. Chacun a sa version des faits. Ce que vous avez vu, c'est ce que vous allez dire. Mais il semble que M. Diallo, c'est au même endroit et au même moment. Comment vous expliquez cela? Oh non, c'est fort. Non, non, c'est bien ni qu'on commence à mes jours pour le concotage ou autre chose. Parce que arrête de bien tout commencer. Donc, si vous dites que ce que j'ai dit et que ce que mes jours pas dit, c'est au même moment. Si c'est comme ça, vous ne devrez pas me contredire ce que j'ai dit ici. Et parce que vous ne dites pas la même chose. C'est pourquoi je demande. On n'a pas le même esprit, on n'a pas le même cœur. On ne peut pas dire la même chose. Elle Madame, est là, quelle s'il vous plaît, Madame, s'il vous plaît, derrière là, vos lunettes là ne sont pas appropriées pour la salle d'audience. Voilà, merci, vous avez compris, c'est bon. Continuez. Merci, monsieur le président. Ami Diop, vous estimez que Ami Diop a quel esprit? Non, Ami Diop, façon on nous a quitté Diogi. Non. Mais en d'autres façons, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ami Diop, côté Bomingo de Gorko. Ami Diop est une femme, moi je suis un homme. En plus de Ami Diop, il y a plusieurs autres partis civils qui ont été très clairs, hein, qui ont indiqué que le colonel est venu sensibiliser tout simplement, tel que Mamadi Kondé. Oh, sinon Ami Diop, où le tube bui inido wano Mamadi Kondé, oh. Colonel Kouarno au sensibilise gol. Mamadi Kondé n'est pas une femme, c'est un homme. Mamadi Kondé kadina sonna jogoy o gorko. Menen kadigo don ko mi enni. O ari o bari me, o enni me yo me yilto. Me enni me wata yiltade, mere yawde hedita gol opposant be amen be. O enni me wo reporta ma jango, me enni me wata holade. Me innali mi innali o pi men do ma o barmini me. Ce que moi aussi j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il m'a bastonné là-bas ou il m'a blessé. J'ai dit que quand il est venu, il nous a dit que se reporter pour demain. On a dit non. Ceux qui nous ont appelés, ils ne nous ont pas dit ça. C'est ce que moi, je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit qu'il m'a bastonné ou il a fait quelque chose pour moi. Mais c'est ce que j'ai dit.
après, à la fin, c'est ce que je vous dis comme ça là. Vous savez qu'il ne pouvait pas vous agresser parce qu'il n'était pas venu pour ça. Même si ce n'est pas ce qu'il a envoyé là-bas, mais il était avec beaucoup de gardes.